Ecovert est une entreprise belge qui fabrique à Mal, près de la frontière hollandaise, des détergents écologiques. Depuis sa création en 1980, elle s'est toujours développée en respectant les principes du développement durable. C'est pourquoi en 1991, elle a choisi de construire l'extension de ses bâtiments de production avec des matériaux écologiques, une première au monde. On a dû se donner beaucoup de peine pour d'abord trouver les gens qui s'y connaissaient, du moins un peu. Secondairement, pour ramasser toutes les matières premières qui étaient partout au monde, en Suède, en France, en Angleterre, en Allemagne. Ce qui a fait qu'on a bien sûr payé un prix supérieur et de beaucoup supérieur à une usine conventionnelle, une boîte à chaussures en béton. La facture sera supérieure de 40%, mais cela valait le coup car le résultat est impressionnant. La plupart des matériaux utilisés sont recyclables. Ces briques, par exemple, ont été fabriquées avec de la poussière de charbon, de la terre glaise et de la sciure de bois. Elles sont poreuses, isolantes, légères et leur cuisson a permis d'économiser 40 000 litres de pétrole. Autre exemple, cette toiture végétalisée à régulation thermique. En été, elle a l'avantage de faire évaporer de l'eau et donc de soustraire la chaleur en dessous de la toiture. Et vous créez un environnement climatisé dans l'usine. La température n'est jamais montée au-delà de 25 degrés dans l'usine. En hiver, c'est le contraire. La végétation dort, elle n'évapore pas de l'eau. Et donc, elle crée une couche épaisse qui fait quand même 20-30 cm d'isolation et qui donc temporise la chaleur à l'intérieur de l'usine. Les dirigeants d'Ecovert ont fait beaucoup d'autres choix écologiques. Ils ont par exemple leur propre station d'épuration, ils utilisent de l'électricité verte et ils ont investi dans des machines à consommation d'énergie très faible. Si on demande du consommateur de faire un choix conscient, il faut le faire nous aussi, de notre côté aussi. Et je crois que ça c'est la seule façon qu'on peut améliorer la société ou je dirais la responsabilité envers l'environnement. Ces dernières années, les produits Ecovert connaissent un beau succès. Du coup, les capacités de production de Mal commençaient à être limitées. C'est pourquoi l'entreprise a fait construire à Landacre, près de Hesdin, une nouvelle usine encore plus écologique. Cette fois-ci, grâce à l'expérience de Mal, le surcoût par rapport à une construction classique a été de 10%.